Salut, c'est le Dragon Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah, une petite vidéo sur Adopt Me, tiens. Je ne sais pas si j'avais déjà tourné de vidéos sur Adopt Me. Il me semble pas en tout cas, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une. Du coup hier, je tournais un petit short récemment, donc je ne sais pas si vous avez vu mon petit short à propos de ça. Donc du coup, oui, c'est bon, je fais la vidéo sur Adopt Me. Alors, on va partir sur une petite vidéo classique, standard, un petit gameplay, sans prise de tête. En plus, ça tombe bien, il y a un événement avec les dinosaures, donc c'est très bien, on va pouvoir explorer un petit peu tout ça. Et comment dire que j'ai commencé cette intro en musique. Ah, la petite musique. Alors, j'ai utilisé hier dans un short, et là, voici la version un petit peu plus poussée, on va dire. Donc, enfin, la version avec les paroles. Donc, si vous voulez cette chanson, je vous ai mis le lien dans la description, donc si vous voulez l'utiliser dans vos jeux Roblox ou justement tiens, dans la radio comme je fais actuellement pour Adopt Me, je vous ai mis la musique en description. Et bah écoutez, j'ai pas envie d'éterniser trop sur cette introduction, puis j'ai envie de vous dire, bon bah, on va commencer directement le petit gameplay. Donc je commence directement dans ma maison, du coup. Alors ça fait longtemps quand même que je joue Adopt Me, enfin longtemps, j'y joue pas non plus extrêmement souvent, j'avais arrêté d'y jouer pendant un certain temps quand même. Et je me suis dit pourquoi pas, j'avais testé la mise à jour et je me suis dit tiens c'est sympa, en plus j'aime bien, j'ai un nouveau petit animal très sympa, un petit vélociraptor, très joli, j'ai réussi à le débloquer, vous pouvez l'avoir, enfin gratuitement, il faut au moins 100 balles en argent pour pouvoir l'avoir et puis faire des petites choses, je vous montre juste après, de toute façon. Bon bah écoutez, on va commencer par la visite de ma maison, je me suis dit pourquoi pas, donc là on est dans l'entrée, alors j'avais bidouillé ça hier, j'ai oublié de le remettre, c'est pas grave. Je le remets, voilà, arrêtez ma éducation. Ben voilà, donc du coup, l'entrée avec la radio, hein, chose qui est extrêmement importante. Moi, j'aime la musique. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est que la musique, alors à l'époque, il fallait payer, mais maintenant, c'est gratuit. Donc ça, c'est génial, vous pouvez, voilà, ajouter directement la musique que vous voulez. Vous mettez le code ici, et vous faites ajouter, puis du coup, vous pouvez vous faire une petite playlist de musique. Je trouve ça très sympa, et c'est vraiment cool. Ensuite, allez. Bon, la salle de bain, j'avoue qu'elle est moche, hein. Faudrait quand même que je pense à la refaire un jour. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ma décoration, hein. Je suis pas un très très pro en déco. Du coup, voilà, salle de bain, là ici, il y a la cuisine. Alors, j'avoue que la cuisine, elle est un peu surdimensionnée. C'est... Bon, je sais pas si vous avez... tout le monde a des cuisines aussi grandes que ça. En tout cas, moi aussi. Non, je plaisante, hein. J'ai pas une cuisine comme ça chez moi. Faut pas rêver non plus. Hein. Mais ouais, franchement, la cuisine est surdimensionnée. Alors, faudrait que je rajoute des meubles, mais bon, je suis pas trop habitué à payer l'argent. Parce que c'est vrai que j'étais beaucoup habitué à Club Roblox avec l'argent gratuit. Donc, enfin, l'immeuble gratuit, mais là, faut que je m'habitue au fait de payer les meubles, quoi. Ah oui, ça, c'est quand je suis sur Xbox. Du coup, alors, par contre, cette maison est vraiment bien parce que il y a la piscine. Ça, c'est super. Franchement, ça c'est trop génial. Donc j'ai la piscine, j'ai un petit piano. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait la petite douche. Vous savez, comme dans les piscines, on a un petit coin douche. Et ben j'ai fait le petit coin douche. Bon, en vrai, c'est pas très joli. Je sais pas si je le garderai, je sais pas. En vrai. Bon, on repasse dans l'entrée du coup. Là-bas, j'ai une espèce de chambre d'amis. Mais on va dire que c'est plutôt un peu le bazar et assez moche. Vraiment très très moche. On va refermer. Et ici, bah du coup, c'est la chambre où je dors. Alors, pareil, qui n'est pas très jolie non plus. Avec un jaune comme ça, je vais la refaire aussi. Et pour finir un peu le tour de cette maison. Voilà. Oui. Je me suis permis de faire un petit truc secret. Alors, bon, bah voilà, le secret d'Adopt Me. Hein. Quand vous êtes dans votre maison, voilà ce que c'est. Hein. Les secrets du développement. On voit un bout de porte là-bas. Ça me fait rire. Enfin. Alors, bah du coup, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, du coup, parce que bon, bah là, voilà, j'ai fait le petit tour rapide de la maison, parce que j'avoue que c'est pas non plus la plus belle maison, enfin, elle est pas très très jolie. Hein. Faudrait que je pense à refaire un peu de déco dedans, parce que c'est vraiment pas joli du tout. Bon, allez, c'est sur ce, on va sortir de la maison, et on va voir un petit peu l'extérieur, quand même, hein. Je me semble pas si j'avais... Ah, je vais le redire, mais je ne sais plus si j'avais présenté ce jeu ou pas. Il me semble pas que j'ai fait de vidéo sur ce jeu. Il me semble que j'ai jamais fait de vidéo sur Adopt Me. En tout cas, si je l'ai fait... non, franchement, ça me dit rien du tout. Donc, je sais absolument pas. Du coup, là, on est dans le quartier des maisons. Alors, ce qu'on va faire, on va pas se casser la tête. On va prendre la petite moto. Voilà.
Regardez, mode biker là. Alors par contre, le petit truc dommage quand même de Adopt Me que je peux dire, c'est l'animation. Enfin, il n'y a aucune animation quoi. C'est dommage que je pose pas les mains sur le guidon quoi. C'est vraiment moche quoi. Je trouve ça vraiment dommage quoi. Ça serait bien qu'ils refassent un petit peu ça parce que c'est pas joli quoi. En vrai. Non mais c'est une blague, il dort. Bon bah tant pis. Hein. C'est bon, je peux pas m'amuser. On va le laisser dormir, c'est tout, c'est pas grave. Alors du coup, par où commencer? Il y a tellement de trucs. Bah c'est quoi? Je vais aller l'emmener dormir au camping déjà. On va faire un petit tour au camping. Sommeil, oui bah je vais lui donner du. Je vais, tu vas dormir, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Il y a un petit camping. Regardez, je trouve ça. Il a bugué là. Il a bugué. Non, pas moi, on va pas dormir là-dedans. Je trouve ça par contre vachement mignon le fait comment il dort et tout. Bon, là on voit pas grand-chose. Je vous montrerai s'il redort. En attendant qu'il se repose, on va faire griller des marshmallows. Ah, bah voilà! Ouais, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Peut-être moi qui sais pas m'en servir. Bon, voilà, ça étant fait, on va pouvoir du coup passer à... Oh non, mais non, mais... Ah, mon dieu, mais c'est pas possible. I need a bath. Oui, bah, tu veux une douche. Comment... C'est quoi, ça? Non, mais c'est une plaisanterie, là. Oh, bah, non. Oh, bah, tant pis, tu resteras crado. Je m'en fiche, tu resteras crado. J'ai pas le choix, ils ont fermé les douches. Visiblement, c'est fermé, donc tant pis. J'ai pas envie de retourner chez moi, j'ai flemme. Donc, on va finir d'explorer la map, et puis... Enfin, d'explorer la map. Je ne sais pas si je vais tout explorer d'un coup. Non, c'est quoi, ça? Il y a des endroits, je me souviens même plus de ce que c'est. Je crois que c'est un supermarché. Attendez, il me semble que c'est un supermarché. Ah oui, c'est ça, c'est un supermarché. Justin, ils auraient dû rajouter Bieber derrière. Ah mon dieu, j'ai n'importe quoi. Oh tiens, c'est quoi ça? C'est de la boisson? Glaçage au chocolat? Non. Ah, de l'eau, 1$. Acheter de l'eau. Oui, tiens, je te le donne. Je trouve ça là, les mecs, vachement sympa. 10 pèses. Oh, je suis rentré dans le frigo. Ah, il y a une ferme dans le frigo. C'est quoi ça? Il me dit, ah d'accord, ils sont là les boissons. Non, c'est de l'eau. C'est quoi ce délire? D'accord. Fille de Ladybug, 8 Diamond Lavender. D'accord. Ah d'accord, ouais, ouais. Alors oui, autre point que je peux dire de ce jeu qui est un petit peu abusé. Voilà, c'est écrit sur boutique. Le prix des Game Pass quand même. Bon, le Home, ça encore, je pense que le prix ça va encore. Mais alors le restant, enfin c'est ultra cher quoi. C'est ultra cher. Franchement, débloque la façon permanente un deuxième leurre pour tout le quoi. C'est conneries. Quoi, c'est, je peux mettre poser ma maison partout? C'est quoi, 1200 Robux? C'est extrêmement cher. Ouais, franchement, non, les prix par contre sont vraiment abusés quoi. Bon, après le jeu est gratuit, donc heureusement, mais je trouve que les prix sont vachement élevés quoi, par rapport à ce que c'est quoi. C'est vraiment dommage, mais bon, tant pis. On n'a pas le choix, comme j'ai envie de dire. Après, moi, sincèrement, j'ai acheté aucun Game Pass, je crois, sur ce jeu. Non, j'ai pas acheté de... Ah, si, j'avais acheté le Pass Musique, mais à l'époque, ça valait le coup. Mais aujourd'hui, c'est gratuit, comme je l'ai dit, vu qu'il y a eu, vous savez, la mise à jour audio de Roblox, là, qui supprime l'intégralité de toutes les musiques téléchargées par les utilisateurs. Donc, ce qui est un petit peu dommage, parce que c'était bien, on aimait bien partager la musique, mais bon, les droits d'auteur font que c'est comme ça, malheureusement. Oh, bah tiens, la plage... Ça va, donc la plage, je la trouve sympa la plage. On peut pas ramasser les coquillages, non, on peut pas. Fête sur la plage, bah ouais, si tu veux, pourquoi pas. On va faire un petit plongeon. Oh, y a pas de. Ah, oh, c'est dommage, y a pas d'animation, faut faire à l'ancienne. C'est dommage. Attendez, je crois que j'ai des trucs sympas pour la plage. Oh, j'ai tellement de bazar là-dedans.
Non, c'est pas ça, c'est ça. Je crois que je dois avoir des trucs sympas. J'avais des trucs sympas. Non, c'est ça. Je peux pas l'utiliser. Bah, ça marche plus. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit que ça marchait. D'accord, bah voilà. Bon, lui, il est en train de... Je sais pas quoi faire, là. Bon, allez, voilà, c'est bon. T'as eu ton moment de plage, c'est bon, on peut y aller, maintenant. Ouais, bah, la douche, tu vas attendre un petit peu, hein, parce que moi, j'ai pas envie de faire un aller-retour dans la maison. Ah, oui. Ah, par contre, ils ont de la chance, ils peuvent monter leurs animaux. Faut payer pour ça. Regardez, je vais vous montrer. Ah, j'aimerais bien faire du monter sur mon Velociraptor, puis prendre ça comme une monture, quoi. Et bah, si je fais ça, voilà. 150 Robux. Alors, sachant que c'est pas pour tous vos animaux, c'est juste pour un seul. Alors, c'est permanent, certes, mais c'est que pour un seul. C'est cher. C'est très très cher. Ça fait cher le kilo pour ce que c'est, pour ce que ça offre. Enfin. Ensuite, bah écoutez, alors je passe un petit peu les étapes. Hein. Si ça... D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez une petite série de gameplay sur Adopt-Me ? Ça pourrait être sympa, en vrai. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas un petit peu de gameplay sur Adopt-Me, à voir. Ça peut, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plairait ou pas d'avoir ouais, une petite série comme ça de gameplay, ça pourrait être cool. Et je me répète, c'est... Bon, c'est tout. Hein. Tiens, c'est quoi ça? L'école? Alors, pendant un temps, je buguais dans la porte, mais ça va, je ne bug plus dans la porte, heureusement. Tiens, regardez, on va mettre un petit texte. Je suis en train de tourner une vidéo. Avec un petit sourire comme ça, ça va bien. Je peux pas lui apprendre des tours. Bonjour, tu veux que je dresse ton compagnon au soir? Blablabla. Mais il est trop jeune pour apprendre davantage. Reviens quand il sera plus grand. Bon bah d'accord, si tu veux. Bon, il a encore soif, allez, bois. Alors l'école avait été refaite, attention, on avait une vieille école pendant un temps qui était pas terrible. Et je trouve le bâtiment vachement quand même beaucoup plus joli. Hein. C'est vrai que le rat, en plus... Ah, alors même si on peut faire ça, je veux dire... Ah, ça c'est quand même, ça fait... C'est pas grand chose, mais ça fait quand même plaisir. Ça rend du réalisme beaucoup plus joli, quoi. Alors ce serait quoi, la bibliothèque? Enfin, l'école est vachement jolie. Pour faire un petit peu de roleplay, je trouve ça super joli. L'école est vachement bien faite. Au niveau roleplay, c'est super, quoi. On peut même travailler en plus. Ah oui. Ah, par contre, ouais, d'accord. Ça, c'est... C'est pas top, mais bon. Ça enlève mes fringues 3D pendant que je suis au boulot, mais bon, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai que je peux donner le... des primes aux gens, mais bon. Je suis le directeur. D'accord. On a quoi, là? Bon, en attendant, je fais de l'argent. Hein. Ça monte. Hein. La cantine. Oh, take a sandwich. Take a sandwich. Ça me remplit. Ah non. Ah si, j'en ai 6. Bah, vas-y. Vas-y, on va faire un. Alors, je crois pas que ça sauvegarde, je crois. Hein. Je crois que si je quitte, ça les enlève. Mais c'est pas grave, au moins... Ça permet de lui donner de la bouffe en cas de problème, quoi. si j'ai plus rien, au moins je pourrais lui donner de la bouffe. Bon, j'avoue que c'est dommage, là on a tout un petit plateau, ça aurait été sympa que plutôt qu'un sandwich, bah que ça... Que ça mette... Ça va directement qu'on prenne le plateau, quoi, c'est dommage. Bon, après c'est tout. Hein. Si je sors, est-ce que ça m'enlève mon boulot, à mon avis, oui. Ouais, ça l'enlève. Bon, ce bâtiment, je vais recommencer. Bon, ce bâtiment-là, je pense que inutile de le présenter. Hein, on peut y faire un petit tour, allez, quoi. On est pas assez après, je peux y faire un petit tour. Compagnon, bébé, VIP. Ah oui, bah anciennement, Adopt-Me, c'est vrai que c'était énormément les bébés. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les animaux comme ça. Les animaux de compagnie, il n'y avait pas. J'ai connu Adopt-Me où il n'y avait pas de... comment dire... Les animaux de compagnie, il y avait uniquement les bébés, il n'y avait pas les maisons, vous ne pouvez pas aménager votre maison, c'était des maisons qu'il fallait louer à chaque fois, enfin c'était chiant, parce que dès qu'on quittait, on revenait, fallait repayer, c'était chiant. Et du coup, quand ils ont jeté la mise à jour des maisons, j'ai trouvé ça vachement bien. Puis après, du coup, ils ont jeté les animaux après. Puis après, les animaux, c'est devenu mythique, tellement... Oh non, tu vas encore dormir, hein. Tu fais que ça dormir là, oh. Ah oui. Messire Patoun. Ah, c'est dommage, ils l'ont traduit. Non, c'était pourri. Non, j'aimais bien. Avant, il l'avait appelé, je sais plus comment il l'avait appelé.
Ah oui, je crois qu'il a appelé Woofington, je crois, un truc comme ça. Sir Woofington, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment il l'avait appelé, mais en tout cas, c'était beaucoup plus sympa. Oh, c'est dommage, ils l'ont traduit, c'est moche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau à visiter? Alors, vous savez ce que je vais faire? Pour les autres bâtiments, je vais garder ça pour plus tard, je pense. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a chargé sa maison ici, il a de la chance. Les bâtiments, je vais les garder pour plus tard, je pense, parce que... Ouais, ça peut être sympa pour une future vidéo, je pense que, ouais. Je vais pas tout faire les bâtiments non plus. Bon, de toute façon, je vous dis, franchement, c'est une petite vidéo gameplay. Rien de bien compliqué, hein. C'est une vidéo calme, on se détend, on profite. J'ai pas envie de me prendre la tête. Me prendre assez la tête comme ça dans la vraie vie, je vous dis franchement. Tiens, la fameuse l'île aux fossiles. Donc l'événement avec les dinosaures, donc il reste 11 jours. Au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr. Donc on a l'hélicoptère, vas-y. Rachel. Qu'est-ce que tu dis, Rachel? Avance dans la mine et récupère tous les fossiles cachés dans le sol. Ne laisse aucun bloc derrière toi. Alors certains os sont si gros. Bon, j'ai pas le temps de lire, tu vas trop vite. Quand tu auras récupéré assez de minerais... Mais ça va trop vite. Ça va trop vite, là, j'ai pas le temps de lire. Oh, bon, allez, c'est bon, blablabla, blablabla, bla, tu vas trop vite, tu m'énerves. Alors oui, j'avais commencé à miner, alors oui, c'est vrai que, bon, voilà, je peux redébloquer les dinosaures, ah oui. Alors voilà, comment ça marche. Vous avez une mine ici, donc je pense que, je sais pas si vous avez déjà joué à un jeu qui s'appelait Mining Simulator, ou je sais plus comment ça s'appelle, genre de jeu, pareil, on casse des blocs comme ça, et puis on récupère des minerais et tout ça. Et donc ici, moi, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, on peut, voilà. Soit on clique en manuel comme ça, ou alors on peut activer gratuitement. Ça, je remercie énormément les développeurs. Gratuitement, je peux cliquer sur AutoMine et du coup, j'ai qu'à poser la souris sur l'endroit et ça mine tout seul. Voilà. Donc là, voilà, j'ai qu'à poser la souris dessus. Pas besoin de cliquer. User le clic de la souris pour débloquer les choses. J'ai juste à poser la souris dessus, ça le fait tout seul. Et je trouve ça super bien. Donc effectivement, donc, pour avoir les dinosaures... Il suffit de, voilà, là il y a un bloc comme ça, je casse et du coup je récupère des fossiles. Alors attention parce que les fossiles c'est assez aléatoire. C'est pas parce que vous allez casser tel bloc que vous allez obtenir obligatoirement tel élément. C'est assez aléatoire. Alors du coup ici c'est vrai que ça change, au début je comprenais pas, je disais un coup j'avais 10, puis un coup ça revenait à 3, et puis c'est... En fait ça change, c'est assez aléatoire. Et puis dès que vous avez le nombre requis de fossiles, vous pouvez débloquer le dinosaure. Et donc du coup je vais vous faire une petite démonstration. Je vais reprendre, alors je sais pas si je l'ai, je vais reprendre un Vélociraptor, tiens, un deuxième que je offrirai à un de mes potes. Enfin, du coup, je vais remonter alors vers la surface, on va remonter. On va enlever ça. Donc une fois que vous avez le minerai nécessaire, il faudra, alors voilà, par exemple, je vais prendre le Vélociraptor, donc il faut 20 minerais, donc j'ai bien les 20 minerais que j'ai. Et il faut payer 100, je sais pas comment ils appellent ça, des pèses. Voilà, il faut 100 pèses pour des pèses, oh mon dieu. Il faut 100 pèses pour pouvoir le débloquer. Donc simplement, vous approchez de cette espèce, cette étrange machine. Et normalement, il y a une interaction qui visiblement ne fonctionne plus. D'accord, pourquoi ça marche plus? Faut que je le prenne dans la main ou... Ah. Bah c'est cassé, je crois. Ah bah non, mais... Oh bah... Oh bah vite. Je suis bête, j'en ai fait tourner un. Donc du coup, je récupère... Bah voilà, j'ai débloqué lui. Donc du coup, bah voilà, je le récupère. Alors non, je préférais mon autre, s'il te plaît. Remets-moi... Voilà. Favori. Non, oui, favori. Équipé. Voilà. Donc oui, voilà ce que je disais. Insérer des fossiles. Donc par exemple, on prend le fossile de Vélociraptor. Voilà. Donc là, j'ai placé mon fossile juste ici. Ensuite, insérer les pèses. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou si c'est vraiment la monnaie qui s'appelle comme ça. Donc spend, ouais, des bucks. Alors la traduction n'est pas traduite, donc ça c'est dommage. Spend 100 bucks, tout vélo, donc payer. Et là, ça met la machine en route. Et puis, bah c'est parti. Voilà. Faut attendre un petit peu, voilà, c'est en train de... C'est en train de traiter, et puis il y en a pour bah, une vingtaine de minutes, quoi. Voilà. Alors, rassurez-vous, vous pouvez quitter et revenir plus tard. J'ai fait l'essai... par exemple, des fois, je me dis, bah tiens, j'ai autre chose à faire. Je peux quitter et revenir plus tard récupérer le dinosaure. Il fait que dormir, là. Oh, et on va le porter parce qu'il fait que dormir. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va le... où est-ce que je pourrais le mettre? Sur quoi? Attendez, une poussette caisse.
Si je le mets comme ça. Ça me fait rire ça. Normalement c'est pour les bébés mais on peut mettre les petits animaux dedans, je trouve ça rigolo. Bah du coup voilà, je crois que c'est, j'ai fait le tour du truc. Alors oui, la mine aussi, j'ai oublié de vous préciser. Elle se réinitialise toutes les alors pas toutes les heures, j'ai envie de vous dire. Une fois que vous avez tout miné, parce que c'est pareil, il y a plusieurs étapes. Vous avez une première couche. Votre pioche, elle peut faire qu'une certaine couche au début. Une fois que vous avez récupéré tous les minerais nécessaires, vous le faites évoluer. Vous la faites évoluer ici. Alors c'est pareil, il faut attendre une dizaine de minutes ou un quart d'heure, je sais plus. Et ensuite, vous pouvez passer à la deuxième couche. Pareil, il faut récupérer tous les minerais qui sont là. Bon, il y a des minerais ici, comme ça, les fameux minerais. Une fois avoir récupéré tous les minerais, vous revenez, vous améliorez votre pioche. Il faut encore attendre 15 minutes ou un truc comme ça. Et après, ensuite, vous pouvez miner la toute dernière couche. Ça peut se faire. Je pense que ça prend du temps, mais vous pouvez faire ça en peut-être en une heure de temps. Ça devrait passer. Une heure, peut-être un peu plus, hein, je pense. Et une fois que vous avez miné l'intégralité de la mine, vous pouvez récupérer... voilà, nettoie la mine de l'île aux fossiles. Vous récupérez une espèce de paquet de cartes, en fait. Des autocollants. Ouais, c'est un paquet d'autocollants. Et ensuite, moi, j'ai découvert ça récemment, parce que comme je dis, ça fait très longtemps que j'y ai rejoué depuis hier seulement. Donc, j'ai découvert ce petit bouquin-là. Et en fait, on peut voilà créer son propre profil. On peut bidouiller des machins. On peut mettre du texte. Enfin, non, je sais pas si on peut mettre du texte. Si à propos de moi. Ah, si, on peut mettre... Regardez. YouTube. Regardez, on va mettre un petit tout. Alors, je sais pas s'il va l'accepter, Roblox. Je fais des vidéos sur YouTube. Je sais pas s'il va me mettre des tags ou... Ouais. Ouais, franchement... Mets ça, tu mets ça. Ah, il met des tags. Bon, ouais. YT, je crois que ça marche. Même ça, ça marche pas. Bah, on va mettre Y. Wow, c'est bon, ça m'énerve. Voilà, hein, parce que ça m'énerve et on va faire ça. Parce que ça m'énerve vraiment la censuration comme ça, là, tout censuré comme ça, c'est n'importe quoi. Il y en a ras-le-bol de leur chat de merde. Vous m'excuserez du terme, mais ça me gonfle, mais à un point, ça devient énervant, quoi. Alors, je sais pas s'il y a d'autres trucs à explorer sur cette île. En tout cas, non, et en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres choses. Alors, si après, il y a des trucs là-bas, mais bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus. En plus, je crois que je suis déjà, ouais, je suis déjà... à 23 minutes d'enregistrement, donc c'est déjà pas mal, en vrai. Eh bien écoutez, ce que je vais faire, on se retrouve dans la maison pour la fin de la vidéo, ça sera plus simple. Eh bien, me revoilà dans la maison, donc du coup, pour faire cette petite fin de vidéo, et non mais au moment où je reprends, il me demande de... Bon. Et vous jure, j'ai fait que ça pendant... Alors vous, j'ai coupé au montage, enfin j'ai coupé ce passage-là, mais... Comment vous dire qu'il a fallu... Je le fais dormir. Au moment où je le fais reprendre un bain, il me demande de redormir. D'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser prendre sa petite douche tranquille. Et nous, du coup, on va faire la fin de cette petite vidéo. Eh bien, écoutez. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Bon, j'avoue, je me suis peut-être un petit peu perdu dans ce que j'ai dit. J'ai fait... je vous dis franchement, c'est de l'improvisation. Hein. Moi, mes vidéos, j'écris rien du tout. C'est, je fais ça en impro. Moi, comme je dis, je suis pas monétisé. Je fais pas ça pour l'argent. Je vous dis franchement, ça ne m'intéresse pas l'argent de YouTube. Je préfère faire mes petites vidéos tranquilles, avoir mon petit public, avoir des... Faire comme je fais maintenant que des vidéos. Je vous dis franchement, vous n'aurez jamais de grosses vidéos énormes sur la chaîne. Hein. Autant vous dire ça tout de suite. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. Si ça vous intéresse, pourquoi pas d'autres vidéos sur Adopt-Me. C'est vrai que ça pourrait être sympa de tourner d'autres épisodes, hein, pour que ce soit pour des petits événements, des nouveaux animaux, de la construction au niveau de la maison, etc., etc. Dites-moi en commentaire de ce que vous en pensez. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Dragon Gamer. Salut !